cette vidéo, je vais vous raconter une histoire en musique. L'histoire de ce livre, qui s'appelle Mon ballon, qui est issu d'une sélection de l'école des loisirs. En fait, c'est un livre de mes enfants que j'aime beaucoup, parce qu'il y a un grand méchant loup dedans. Comme je sais que les enfants aiment bien les loups, j'ai choisi ce livre. Alors, pour raconter cette histoire, je vais utiliser des petits instruments que je vais d'abord vous montrer. Il va y avoir le kalimba, qui est en fait un instrument avec des lames en métal, qui fait un son mystérieux, un son énigmatique. Ensuite, il va y avoir le tube résonnant. Ensuite, l'octobloc. Le tambourin. Que je vais utiliser de deux manières. Voilà. Il va y avoir la crécelle. Il va y avoir le djembé. Il va y avoir aussi cet instrument-là, l'océan drum, qui imite le son des vagues. Voilà. Très bel instrument. Et en dernier, la cymbale de la batterie. Voilà, vous la voyez ici en tout petit, là. Voilà, elle ne prend pas toute la place parce qu'elle est grande. Sinon, après, vous ne me voyez plus. Voilà. Donc, voici l'histoire. Le petit chaperon rouge était très fier. Sa maman lui avait offert un joli ballon rouge. « Va le montrer à grand-mère, elle sera très heureuse de te voir. Et tu lui diras bonjour de ma part. » La petite fille s'enfonce dans la forêt et commence à chanter joyeusement. « Promenons-nous dans les bois. » « Ah ! Qui se promène aussi par là ? » « Un renard ? Un autobus ? Une locomotive ? » Attention fillette, laisse passer le champion, lance le lion. Bon d'accord, je continue alors. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Ah ! Qui est là ? Un sanglier ? Une armoire à glace ? Un diplodocus ? Bonjour, bel enfant. Ne marche pas sur les fleurs. Je fais un beau bouquet pour offrir à ma petite souris, dit l'éléphant. Bon, d'accord, je continue alors. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était. Mais qu'est-ce que c'est ? Une cathédrale? La tour Eiffel? Non, je vous en prie, pas d'autographe. Aujourd'hui, je suis là incognito, dit la girafe. Bon, d'accord, je continue alors. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais qu'est-ce que c'est ? Un cheval ? Un piano à queue ? Un vaisseau spatial ? Chut, pas de bruit. Ça fait 3 jours et 3 nuits que je me cache ici. Chuchote le rhinocéros. Bon, d'accord, je continue alors. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, ah, qu'est-ce que
que c'est? Un rossignol? Un tuyau d'arrosage? Un camion de pompiers? Hé, petite fille rouge là! Circulez, circulez! Vous faites peur aux crevettes! Claquettes les flamants roses. Bon, d'accord, je continue alors. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Comme le loup n'y est pas, il nous mangera pas. Là, une grande bouche pleine de dents. C'est lui. C'est le bzou. Le bro. Zut alors. C'est le blanc Mélenchon. C'est le grand Bétambo. Bonjour petite. Désolée, je ne voulais pas t'effrayer. Je cherche la mer, dit le crocodile en lui rendant gentiment son ballon. Bon, d'accord, je continue alors. Promenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, y es-tu? Oui, bien sûr que je suis là, répond le loup en la dévorant des yeux. Pas de chasseur en vue, rien que toi et moi. Oh, quelle joie, je vais me régaler, salive le loup. Et à ces mots, il se jette sur la petite fille. Mon ballon! Je veux mon ballon! Voilà, l'histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle histoire. À bientôt!